Toutes les carnes ici, Yonic Arnissa, aujourd'hui on se retrouve sur Starshine Legacy saison 4, l'énigme de Darkor. Donc là on se retrouve pour l'épisode 4. Dans l'épisode dernier, on était parti voir Fripp qui nous a appris à nous servir de nos pouvoirs, donc niveau 4. Level Fia, die Legende von Garnok. Alex und Tinkan rasen nach Jorvik. Alex ist sich immer noch nicht sicher, ob ihre Begegnung mit Fripp vielleicht nur ein Traum war. Aber sie spürt, wie die neue Entdeckung. Wie die neu entdeckten Kräfte durch ihren Körper strömen. Sie fühlt sich stärker als je zuvor und ist bereit, die Welt zu retten. Aber erst muss sie herausfinden, wo Katja James gefangen hält. Donc, elle sait pas si cette rencontre avec Fripp était un rêve, mais avant de se poser plus de questions, faut qu'elle trouve où est-ce que Katja a emprisonné James, son frère. Endlich bin ich in der Schule. Ich hoffe, Tinkan kann draußen warten, bis ich zurückkomme. Ich muss mich beeilen. Ich muss Lina unbedingt finden. Sie ist bestimmt hier in der Bibliothek. Par contre, il y a trop de bruit. Ça me perturbe un peu, désolé. Donc, elle est donc dans la bibliothèque pour récupérer des informations sur... chercher des infos, quoi. Et du coup, on va demander de l'aide à Linda. Hey, da bist du ja. Ich bin gekommen, so schnell ich konnte. Prima, aber es ist etwas Schlimmes passiert. Mr. Sens Handlanger haben mich angegriffen und all meine Bücher, Notizen und Bilder gestohlen. Es ist alles weg. Ich konnte mich nicht wehren. Sie waren zu stark. Ich werde sie schon dazu bringen, dass sie dir alles zurückgeben. Wann ist das passiert? Weißt du, wohin sie gegangen sind? Es ist erst 10 Minuten her. Ich habe versucht, sie zu verfolgen, aber habe nur gehört, dass sie davon sprachen, dass sie bei der alten Mühle jemand treffen wollten. Ich weiß, wo die alte Mühle ist. Ich gehe hin und bring dir deine Bücher zurück. Linda, vertrau mir. Donc, qu'est-ce que ça disait? Donc, ça disait que Linda, à la base, elle avait des notices, des livres, etc. Et en fait, elle s'est tout fait piquer par les gars de Darkor. Et du coup, on va essayer de les récupérer. Donc, ils sont partis à l'ancien moulin. Et du coup, on va y aller avec Tinkan. Ich muss zu der Mühle, um herauszufinden, ob diese Schurken dort sind. Elle dit oui, il faut que j'aille au moulin pour voir si les méchants sont là-bas. C'est génial. Ouh, oh, une étoile. Ok, le jeu il a pas assumé, il a pas tout suivi. Et ça fait trop de bruit, bordel. Ce jeu en fait, le jeu il est bien, hein, mais les bruitages ils sont mal faits. Où est-ce qu'on va comme ça? Ça, c'est le parcours du combattant. Attention la pierre. Attention les pierres. Mais what? C'est quoi ce chemin? Alors. Ouais, ça me dit, tu ne peux pas mettre pied à terre, effectivement. C'est juste parce que j'ai appuyé sur mauvaise touche, en fait, voilà. C'est loin. Et c'est pas très agréable comme chemin. C'est pas très accueillant en fait. Hop. Oh mais tiens, je connais par là, ça me dit quelque chose. Ich muss dich hier lassen, Tinkan. Ich muss näher an die Mühle ran und vielleicht muss ich meine Seelenreiterkräfte einsetzen. Okay, sei vorsichtig, Alex, wenn du die Tip nicht erwischt, bevor sie dich kriegen, ist alles vorbei. Keine Angst, ich werde sie mit meinen Kräftigen überwältigen, sodass ich die Bücher wiederbekomme. Donc on dit à Tinkan de nous attendre là. Et on va tirer sur les gars pour éviter de se faire choper. Je sais plus comment est-ce qu'on tire. Sobald sie mich sehen, versuchen sie bestimmt mich zu fangen. Ich muss meine Seelenreiterkräfte einsetzen, um an die Bücher zu kommen. C'est génial, mais pendant qu'elle parle... Allez. Ah, il va m'avoir lui. Ah, il me fait peur. Allez, crève. Ah, on en a tué un. Allez, tire. Merde, il m'a attrapé. Mais pourquoi ça a pas tiré, bordel? Bon, ça va, ça en a tué un. Voilà. Du coup, faut plus que tuer les autres. Ça va, on recommence pas depuis le début, mais c'est...
assez relou en fait que genre j'avais mes pouvoirs et que ça n'a pas tiré. Et ça me fait flipper ce jeu. Par où est-ce qu'il va venir? Par où est-ce qu'il va venir? En fait, Star Ocean Legacy, c'est devenu un shooter. C'est génial. Ah, il est là. Ah, il meurt! Oui, il est mort. On attend que les autres viennent, hein. Si d'autres vont venir. On attend. C'est génial parce que j'ai rien raconté en ce moment, du coup. C'est un peu vite quand on attend. Ils viennent? Ils viennent pas? Je sais pas, décidez-vous, non? Bah non, ils ont. Lui, il est mort. C'est bien. Du coup, on attend que les autres arrivent. Si d'autres vont arriver. Est-ce que d'autres vont arriver? Telle est la question. Ça m'étonnerait, mais bon, on attend quand même. Bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelqu'un qui a décidé de venir. Ouais, il reste qui? J'arrive pas à savoir si c'est un gars de Dark Core là-bas ou si c'est un poteau, mais je crois que c'est un gars de Dark Core. Lui aussi, on va essayer de le buter. Ça va marcher. Trop loin. Oh, on essaie lui peut-être. Ah, lui, ça a pas marché. On s'en va. On l'attire. Il était trop loin. Zut alors. Allez, viens. Oups. Arrête de bouger, connard! Pardon, pardonnez-moi. Voilà, merci. Excusez-moi ma vulgarité, il m'a un peu saoulé. Coup, on va le buter aussi. Du premier coup, j'espère. Ouais. Lui, il est mort. Et. C'est quoi ces éclats qui viennent de temps en temps comme ça? Et lui, du coup, aussi. Allez, meurs. Je crois qu'il reste plus personne maintenant. Bon, on récupère tout ça. Oh, il y a une étoile. Oh, j'adore les étoiles. Je me suis pris une palme. Le moulin. Ah, c'est le moulin qui fait du bruit comme ça. D'accord, très bien. Allez, on prend le bouquin. Na also, ich habe Lenas Bücher alle wieder. Jetzt aber schnell zurück in die Bibliothek zu Lena. Bon, du coup, on retourne à la bibliothèque voir Linda. Il en reste un bouquin. Ah, du coup, il retourne lui-même à l'école. C'est génial, on n'a pas le retour à faire. Zurück. Allez, de retour. Bon, du coup, on donne ça à Linda. Helena, hier sind deine Bücher. Die Typen werden nie herausfinden, was mit ihnen geschehen ist. Das ist ja toll. Leg sie bitte auf den Tisch und erz dann erzähle ich dir, was ich gefunden habe. Okay, aber beeil dich, ich muss meinen kleinen Bruder finden. Donc elle disait, enfin du coup on lui rend les livres et du coup Linda lui dit viens t'asseoir que je t'explique ce que j'ai trouvé comme info. On lui dit du coup mais grouille-toi, faut qu'on retrouve notre petit frère, enfin, faut que je retrouve mon petit frère. Ok, hör zu. Seit Urzeiten wird Jorvik von etwas bedroht, das heute auf dem Meeresgrund liegt. Einst stürzte ein Raumschiff in das Meer. Die Menschen, die das sahen, hielten es für ein Zeichen der Götter, aber in Wirklichkeit war es etwas sehr Böses und Schreckliches. Donc il y a fort longtemps à Jorvik, une sorte de navire s'écrasa dans la mer. Les gens qui virent ça pensaient que c'était quelque chose de un signe des dieux, mais en fait c'était quelque chose de horrible et méchant.
Als sie legen, gehen bis in die Bronzezeit zurück. Im Laufe der Jahre stellte sich heraus, dass die böse Kreatur am Meeresgrund nicht tot war, sondern nur schlief. Sie ist unter Wasser gefangen, aber trotzdem kann sie ihre geistigen Kräfte einsetzen, um aus der Tiefe zu wirken und das Leben der Menschen auf der Insel Jorvik zu beeinflussen. In den Legenden ist von merkwürdigen Kreaturen die Rede, die in der Vergangenheit immer wieder einmal gesichtet wurden. Monster. Donc, elle dit que malgré que en fait, la créature qui est au fond de l'océan, elle n'est pas morte, mais elle dort seulement, et malgré qu'elle soit emprisonnée dans l'eau, elle peut se servir de sa force mentale à distance pour faire chier les gens à Jorvik. Monster voller übersinnlicher Kräfte. Ich bin dabei auf einen merkwürdigen Namen gestoßen. Garnok. Nur vier Mädchen mit treuen Pferden können diese Kreatur bekämpfen und sie wieder dorthin verbannen, wo sie kein Unheil mehr anrichten kann. Auf den tiefsten Grund des Meeres. Schau dir dieses Bild an. Donc le seul moyen de battre Garnok, c'est les quatre filles avec leurs quatre montures fidèles peuvent le bannir à tout jamais. Ouais, donc ça c'est quatre Soul Riders, on adore. Hey, das ist ja ein altes Bild von uns. Nein, warte, das sind nicht vier, sieht aus wie vier Mädchen auf Pferden, die gegen eine Art Oktopus kämpfen. Donc, on dirait quatre filles qui se combattent contre un poulpe. Voilà. Contre une pieuvre. Viele Fangarme. Das ist ja auch dieses Eichhörnchen, dieser Fripp. Oh, ja, Fripp. Donc, c'est ce qu'il disait justement, il y a cet écureuil Fripp. Und schau, die hier, Das ist eine der Reiterinnen und die kämpft gerade mit einem Krieger, der eine schreckliche Waffe erhebt, eine Art Lanze oder so etwas. Donc ça, c'est une des cavalières, elle se bat avec un guerrier qui tient une lance ou quelque chose du genre. Komisch, sieht irgendwie aus wie Buck mit seinem Hockeyschläger. Oh, c'est bizarre, on dirait Buck avec sa patte de hockey. Enfin, ce qu'elle venait de dire, quoi. Ok. Schau dir das an, das hier an. Dieses Bild hat auch eindeutig mit uns zu tun. Wir sind zu viert und wir besitzen besondere Kräfte. Wir müssen das Monster aus der Tiefe des Meeres besiegen. Aber vorher muss ich noch zur Teufelskluft und mich mit Katja treffen. Ich muss doch meinen Bruder befreien. Lass uns zum Reitstall gehen. Donc, je vais décrocher le téléphone après. Du coup, elle disait, bah ouais, on dirait nous quatre en fait. Donc, faut qu'on batte ce Garnok. Pardonnez-moi. Mais avant, faut que j'aille à la brèche du diable, aller voir Katia pour récupérer mon petit frère. Ach Alex, ich bin so froh, dass ich dich erreicht habe. Es sind so merkwürdige Dinge im Gange und ich weiß nicht, was ich machen soll. Hey, immer mit der Ruhe, was ist denn passiert? Du weißt doch, dass mein Vater für die Darkor-Kooperation arbeitet. Er wurde gerade zu einer ihrer Bohrinseln beordert, einer ziemlich weit weggelegenen. Ziemlich weit weg, das klingt verdächtig. Ja, und der Name klingt ziemlich unheimlich. Das war das Garnet-Projekt, hört sich düster an. Hast du gerade Garnock gesagt? Hey, ich glaube, ich weiß, worum es da geht, und das gefällt mir gar nicht. Hör zu, ich gehe zur Teufelskluft und mache unterwegs kurz Halt bei diesem Garnock-Projekt. Purée. Donc, Alex nous a appelé pour nous dire, oh, il est arrivé quelque chose d'horrible, parce qu'en fait, son frère, c'est pas son frère, son père, travaille pour Darkor. Et genre là, il a été muté sur une autre plateforme de forage qui s'appelle le projet Garnock. Et du coup, bah, on va s'y mêler les pinceaux parce que projet Garnock, voilà, c'est ça annonce rien de bon. Enfin bref. Du coup, mes petites licornes, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à vos prochaines aventures.